On est dans la dernière ligne droite pour Hag HaShavuot. Alors je voudrais évoquer quelques halachot concernant les erreurs possibles, éventuelles, dans la Amida. Car l'être humain est un peu robotisé. C'est-à-dire que, machinalement, il nous arrive de dire des choses sans être conscient. Par exemple, pendant la tfila de Yom Tov, on peut dire des choses qu'on a l'habitude de réciter pendant Shabbat, par erreur. Alors, dans quel cas on est tout de même quitte et dans lesquels on n'est pas quitte? Exemple. Première erreur possible, c'est dans Hashkivenu. Shabbat ou Yom Tov, on ne termine pas la bracha de Hashkivenu de la même façon qu'on le fait pendant le Hol. Pendant la semaine, on termine par Baruch Ata Hashem, Shomer Aleinu Hakol Amo Yisrael, Shomer Mikol Shomer Mikol Davara ou Mipahad Laila. Baruch Ata Hashem, Shomer Amo Yisrael, Laad Amen. Eh bien, pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Aporès Aleinu Hakol Amo Yisrael, Sukkat Shalom Aleinu, Hakol Amo Yisrael. Ve'al Yerushalayim, Amen. N'est-ce pas? Aporet Sukkat Shalom Aleinu Ve'al Kol Amo Yisrael, Ve'al Yerushalayim, Amen. Quel est le din si on s'est trompé? Et pendant Shabbat ou Yom Tov, on a terminé Shomer et Amo Yisrael, La'ad Amen, au lieu de dire Aporet Sukkat Shalom Aleinu Ve'al Kol Amo Yisrael, La'ad. Alors quel est le din si on s'est trompé? Eh bien, on est quitte. Pas besoin de recommencer. Sauf si on est encore dans le laps de temps de 2 secondes. Ça s'appelle le temps de dire « Shalom Alecha Rabbi ». Si on est encore dans ce laps de temps, alors il faut s'auto-corriger. Mais si on a dépassé les 2 secondes, parce qu'en 2 secondes on peut dire « Shalom Alecha Rabbi », eh bien ce n'est pas grave. On est quitte tout de même, bien que Hashkivenu, on l'aura récité le Shabbat ou le Yom Tov comme un jour de Hol. Pendant le Hag HaShavuot, également à Pessah, également à Sukkot, combien de fois dans la Amida on mentionne la fête? Combien de fois on va dire le mot Hag HaShavuot dans la Amida? 2 fois. La première fois dans Vatiten Lanu, Hashem Elokeinu be'ahava mo'adim le'simcha et yom Hag HaShavuot hazeh et yom tov mikra kodesh hazeh zeman matan torateinu, et après une deuxième fois dans Ya'aleh v'yavo. Maintenant, si quelqu'un s'est trompé, il a mentionné une autre fête. Par exemple, à Shavuot, il a dit Sukkot ou il a dit Pessah. Alors, s'il a dit ça les 2 fois, il n'est pas quitte, il doit recommencer depuis Atabeharotanu. Mais si au moins 1 fois il a dit Hag HaShavuot, alors il est quitte, il n'a pas besoin de recommencer. Shabbat, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Yom Tov, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Ve'azemanim. Si quelqu'un s'est trompé, il a dit Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat pendant Yom Tov, au lieu de Mekadesh Israël Ve'azemanim. Quel est le din? Alors, s'il s'en est rendu compte immédiatement, dans l'espace de 2 secondes, ce qu'on appelle Torkede Dibour, dans ce cas-là, il s'auto-corrige immédiatement. Et il dit Mekadesh Israël Ve'azemanim. Très bien. Mais s'il a dépassé ce laps de temps, est-ce qu'il est quitte? A posteriori, non. Car Mekadesh HaShabbat et Mekadesh Israël Ve'azemanim n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Shabbat, c'est Shabbat. Les Emanim, c'est Emanim. Quelle est la différence? La Kedusha de Shabbat, elle a été fixée par Dieu le 7e jour de la semaine. Il n'y a pas de variation possible. La Kedusha du Yom Tov, des Emanim, c'est fixée par Israël. Mekadesh Israël Ve'azemanim, car c'est le peuple juif
qui va fixer le Rosh Chodesh. Et par rapport au Rosh Chodesh, on aura le Yom Tov. Le Yom Tov est toujours la date du mois. Ce n'est pas un jour de semaine. Le Yom Tov n'est jamais relatif à un jour de semaine. Il est toujours relatif à la date du mois. Contrairement à Shabbat, qui est relatif à un jour de semaine. Septième jour de la semaine, c'est toujours Shabbat. Immuable. Étant donné que le Rosh Chodesh est fixé par le peuple juif, à l'époque du Beth Amikdash, il disait Mekudash, Mekudash, donc Mekadesh Israël, qui est Mekadesh les Zmanim. Dieu a sanctifié Israël, qui eux, à leur tour, sanctifient le Zman, le Rosh Chodesh, pour fixer les fêtes. Donc quelqu'un qui a confondu, au lieu de Mekadesh à Shabbat, il a dit Mekadesh Israël les Zmanim, ou vice-versa, ce n'est pas bon, il n'est pas guide. Il peut s'auto-corriger immédiatement. Mais si 2 secondes sont passées, ce n'est plus torqué des divots, alors il doit recommencer depuis Atabehavtanu, s'il est en pleine Amida. Sauf s'il a terminé complètement la Amida, alors il doit recommencer toute la Amida. Maintenant, quelqu'un qui aurait dit « Mekadesh HaShabbat veYisrael veAzemanim » par exemple, cette année, Shavuot tombe dimanche soir, lundi. D'accord ? Il ne faut pas dire « Mekadesh HaShabbat veYisrael veAzemanim » c'est seulement si la fête, elle tombe Shabbat. Mais lui, maintenant, il s'est trompé. Et il a dit « Mekadesh HaShabbat veYisrael veAzemanim » et il ne s'est pas corrigé immédiatement. Est-ce qu'il est quitte ? Le Prime Gadim dit qu'il n'est pas quitte. Car Mekadesh HaShabbat veYisrael veAzemanim, c'est un matbea beracha qui est spécifique à un Yom Tov qui tombe Shabbat. Yom Tov, c'est Yom Tov. Shabbat, c'est Shabbat. Et Yom Tov qui tombe Shabbat, eh bien, on a une version d'une bracha qui est spécifique à ce jour. Alors, le Prime Gadim dit que ce n'est pas bon. S'il ne s'est pas corrigé lui-même immédiatement, eh bien, comme on a dit tout à l'heure, il faut reprendre depuis Atabehavtanu, et s'il a terminé la Hamida, il doit recommencer toute la Hamida. Donc, il faut tout simplement faire attention, être présent, avoir l'esprit présent au moment où on fait la Hamida. Bruchim tehiyu, mechag sameach.